Moi, je fais totalement confiance, d'abord, bien sûr, à l'enquête judiciaire. Et par ailleurs, nous saurons ce qui s'est passé. Je n'ai aucun doute, depuis le premier moment, compte tenu de la qualité, notamment la qualité des investigations menées par le bureau enquête accident. Donc je suis intimement persuadé que nous aurons, puisque j'ai connaissance de ces rapports d'accident, ils se sont saisis, ces services, lorsqu'un drame se produit, et je peux attester de la très grande rigueur et de la grande qualité de ces investigations. Nous saurons donc ce qui s'est passé. Mais laissons les enquêteurs faire. Et la SNCF a traduit une version. Oui, mais parce que précisément, il y a une présence anormale de l'éclisse sur un aiguillage. Et donc c'est une réalité, c'est un élément. Mais cet élément, il a été versé au dossier de l'enquête. Il faudra donc déterminer, je crois que cela a été dit dès les premiers instants, que nous savions qu'il y avait cet élément qui était anormal. Quant à la raison, le pourquoi de cette présence, là, c'est l'enquête qui doit le déterminer. Donc à partir de cette situation, nous saurons précisément ce qui s'est passé. Il y a quand même trois boulons qu'on lâchait, qu'on s'est produit en deux, c'est quand même tout à fait anormal comme situation. Écoutez, plusieurs éléments d'explication peuvent être donnés, mais ce n'est pas une question de donner des éléments d'explication. Il faut prouver et démontrer. Et c'est le rôle de l'enquête qui prouvera et qui démontrera ce qui s'est passé.